Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, on va parler bien évidemment de la mage hein, et des petites choses éclatax et caché qui Nous a mis dedans, on va parler KvK avec l'énormissime 1093, mais aussi un petit crochet par le 1960. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple. C'est le premier lien en description de tout. Toutes les vidéos, les amis, vous ne pouvez pas le rater. Vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les leaks, les tutos. Bref, tout est sur le Discord et même, même les pronos, les ajustements des pronos. C'est le samedi et le vendredi 18h, hein, donc dès demain, une vidéo sur les pronostics pour ce surblindaxe et continuer de plier ce store. Normalement, il est déjà vide. Hein, on ne parie plus que pour le fun à présent, mais pour les retardataires, on continue les paris. Les amis, la mage a eu lieu. Elle a tenu en 3 heures. C'était un miracle. Hein. Et on a quelques petites surprises inattendues avec cette mage. On n'en souhaitait pas tant. Déjà, il y a eu un ajustement des effets visuels. Hein. On le voit regarder. Vous avez vu là quand j'ai cliqué une petite vague blanche. Le truc, on s'en fout de ouf. Mais Lilith perd son temps à rajouter des petits effets comme ça. On s'en tape de dingue. Il y a plein de choses qui sont buggées. Mais eux nous mettent un petit effet visuel tourbillon, c'est super, on s'en fout. Ce qui est super intéressant, c'est de voir la différence de vitesse de patch. Lorsque on a récupéré les serveurs. Hein. Le système VIP 19 et 20 était buggé. On va revenir dessus. On avait aussi le système des armements, du, pas du centre d'alliance, hein, les systèmes ici du forme d'état pour les armements qui étaient buggés. On ne pouvait plus recycler les équipements. On pouvait utiliser uniquement la fonction pour recycler automatiquement qui se situe ici. Là, elle marchait. Le reste ne fonctionnait pas. Donc, regardez, si je faisais un voyage, hein, je clique, confirmer confirme, l'acheter 30. Hop là, allez, je suis obligé de me taper. Non, ok, j'avais un truc, on s'en fout. Si je voulais le recycler, ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait que ce qui était en auto qui fonctionnait. Eh bien, ça a été corrigé. Mais seulement aujourd'hui, hein, plus de 24 heures après le patch, hein, alors que le VIP SVIP, où ils peuvent faire de la moula, c'était immédiat. Maintenant, ça fonctionne. Si vous ne l'avez pas encore testé, hein, utilisez-la maintenant. C'est de retour. Parlons justement VIP SVIP. Avec ce, ce scotard du Svip du vip 19 surtout Franchement abusé donc nouveau store qu'est ce qu'il rajoute pour le nouveau store oh, Regardez des pierres de transmutation pour le vip 19 ça va ça va C'est un peu éclaté donc il y a pas de sujet on va pas se plaindre on se plaint sur le reste Un coffre de choix de formation ouais c'est pas ouf non plus on va pas se plaindre hein, c'est pour le Svip Voilà si les mecs y avaient rajouté que ça il n'y aurait pas de sujet mais le problème, c'est ce qu'ils ont rajouté sur le bonus 19 plus 10% attaque de troupes. Alors vous allez me dire, ouais, l'attaque c'est moins bien que la défense, c'est moins bien que la santé. Ben prends les pas les 10%. Moi je les prends euh, pour ceux qui ne les veulent pas. Et vitesse d'entraînement plus 30%, ça aussi ça va être très utile lors des events. Franchement, ça va permettre de, de claquer beaucoup moins d'accélérateurs, etc. Abuser ce bonus, et évidemment, hein, le SVIP qui donne accès au magasin SVIP, à la roue suprême, le magasin SVIP rien que pour y aller, il faut déjà être SVIP, la roue suprême, pareil, franchement. Bon, abuser, ce système, c'est du Lilith, ils veulent de la Moula et ils vont l'avoir, hein, parce que certains sont déjà SVIP et claquent un max, hein, vous l'avez vu ou dans ma vidéo d'hier, d'hier ou d'avant-hier, d'avant-hier peut-être d'avant-hier, pour atteindre le niveau SVIP, euh, il faut claquer 3 millions, pour atteindre le 18 au palier 19, c'est 2 millions, ça veut dire c'est 5 millions de points VIP. Hein. Pour vous dire, moi, depuis la création de mon compte, hein, il y a 6 ans, j'ai à peine 3 millions de points VIP. Et pour atteindre donc le SVIP, il faudrait que j'aille à 9. Il me manque 6 millions de points S VIP. Donc, deux fois ce que j'ai fait en 6 ans. Autant vous dire, déjà, je pensais être quasiment jamais niveau 18. Alors, le niveau 19 ou le SVIP ça n'arrivera c'est sûr jamais de mon vivant en tout cas sauf si je lègue ce compte là hein, à mes enfants qu'ils transmettent à leurs enfants peut-être là il y aura une chance bref une mise à jour encore une fois hein. pleine de choses pleine de surprises notamment regardez on ne nous a pas prévenu et pourtant ça c'est très intéressant sauf si je suis totalement éclaté mais il y a du nouveau dans le muséum avec ce patch hein, il y a Artemis première qui sort de nulle part, un petit bonus pour Artemis première plus alors il y en a qu'un évidemment, plus 5 en attaque des archers et 10 en réduction des dégâts de compétence. Alors, le 5 d'attaque attaque d'archer, c'est pas une dinguerie mais le 10 de réduction d'attaque de compétence pour ceux qui sont méta de défense en archer c'est Pas mal du tout, ça peut vraiment aider et être sympa. Si vous avez raté cette petite info là, c'est cadeau, c'est pour moi parce que c'est pas Lilith qui va vous le dire. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça ne figure pas dans le patch. Et pourtant, le patch note, hein, si on le reprend ici, il est long comme mon bras et euh, il aurait ça, rien coûté de mettre qu'il y avait une mise à jour de Artemis. Euh, première sur le musée on passe à présent les amis au kvk et vous allez le voir vraiment des mouvements intéressants on va commencer par le 1960 qui a son kvk qui touche à sa fin évidemment vous allez le voir hein, ils sont autour des 35 36 jours 35 jours, 16 heures, hein, donc on touche à sa fin sur le 1960. Trouvons le 1960-1, voilà parce qu'ils sont tout seuls hein, et pas le tiré 2 ou le tiré. 3, ils sont là en haut à gauche. Hein. Normalement à ce stade, hein, ils sont plutôt détente et ils mettent une masterclass sur le centre vu qu'on parlait qu'ils étaient 1 contre 3 et ils ne le sont pas. C'est le moment aussi de vous montrer ce nouveau système mis en place. C'est une excellente chose hein. créée par Lilith. Regardez quand je vais dézoomer à présent. Ça, c'est magnifique. Franchement, la gros boulot des devs, plutôt que de nous mettre des effets éclatés, il faut vraiment qu'ils bossent un peu plus sur ce genre de choses pour qu'on en ait plein. Regardez comme on voit bien les zones d'occupation du terrain. Enfin, on dézoome et enfin, on voit qui fait quoi. Le 1960 est donc en haut à gauche hein, sur la Havane, ils sont sortis, ils ont pris la porte. Regardez, si je zoome là, on voit bien que ça c'est l'Alliance du 1960. Allez, fais-moi apparaître le drapeau. On est sur les 60 GT, sur les rouges. On le voit, ils sont sortis, ils sont passés par là, ils sont arrivés sous le 7. Ils sont arrivés sur la porte de niveau 8 et cette porte de niveau 8, hein, ils l'ont, on le voit bien. Alors, quand on dézoome, on ne le voit pas trop parce que, comme elle, elle est assez euh, do, dominante hein, sur la couleur, ce rouge-là, on ne le voit pas, elle est par-dessus, il faut zoomer un petit peu, on le voit. Et le 1960 hein, a pris toutes les zones sans exception, toutes les portes, fait tout le tour et remplit bien, fait bien son job. Hein. Et on a euh, un de leurs alliés, très probablement, qui a la grande zigourate. Les win. il y a dû avoir un accord. Parce que les win, je ne crois pas qu'ils ont la win. Ils ont commencé où Les wins, les win, les wins, les win. Parce que leurs alliés, ils étaient excellents. Ouais, ils ont dû passer peut-être un petit. D'accord, là, sur, euh, sur le territoire, parce que je ne crois pas que les wins, laissez-moi vérifier. Si, c'était les wins qui étaient avec eux. Franchement, ni, on n'y comprend rien. C'était annoncé un 1 contre 3, et on se retrouve avec quelque chose de totalement chelou du partage. Franchement, ce n'est pas du tout à la hauteur, ce n'est pas digne du 1960, ce genre de KvK. J'espère qu'ils se rattraperont sur les prochains. On passe à présent au 10-93, et là, là, c'est une autre histoire. On est sur du très lourd évidemment, le 1093, le plus gros serveur. On ira voir aussi hein, le 1001, ce, farm, ce serveur de farmer professionnel 1093-1, qui lui n'est qu'à 21 jours, pas encore à la moitié de son KvK, et qui se retrouve sur des binômes de serveurs plutôt costauds. Mais encore une fois, un matchmaking déséquilibré, à mon avis, ils n'ont strictement aucune chance. Dézoomons totalement cette fonctionnalité. Je la kiffe déjà et je ne peux pas le faire sur ce KvK. Il ne me laisse pas dézoomer complètement. Non, il ne me laisse pas dézoomer complètement sur ce KvK. Malheureusement, ça ne marche pas sur tous euh, les systèmes de KvK. Ça doit être ça. Ça doit être écrit dans le patch note. Hein, mais euh, comme je ne l'ai pas relu, forcément. C'est même pas écrit, ça se trouve. Hein. On le découvre comme ça. En tout cas, sur le C12416, je ne peux pas dézoomer entièrement. C'est peut-être à partir de 35 jours ou de 30 jours. Bref, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On part sur déjà la coalition du 1093. Alors, le 1093 et où ils sont bien ici, mais ça m'étonnerait que ce soit les mômes. Partons voir tout de même. Hop là, 1093, on clique. Les moms qui est euh, dans les moms, la coalition, c'est bien eux. 97W, c'est des subs. Pourquoi Alors si vous avez la réponse, dites-le moi. Pourquoi le 1093, pour la forteresse croisée, il la prend avec des subs plutôt que la prendre avec son alliance principale Là, je ne comprends pas quel est le délire. Il y a sûrement quelque chose. Hein. Les 93T sont des boss. Donc il y a une vraie raison que j'ignore. 13 milliards, 11 milliards, 3-1. On le voit de grosses alliances, de, enfin grosses alliances, de bonnes alliances en termes de puissance, hein, sans être trop gros. Mais c'est tout, ils sont sur quelque chose de très solide et très contrôlé, seulement deux. On le voit au sud, donc ils sont sortis en Tahiti, rien de nouveau, hein. ils ont éclaté les adversaires en les enfermant totalement. Sur les portes de niveau 5, pareil. Ils sont sortis là, on le voit. Ils ont pris tout le territoire. Ils ont laissé aucun espace, hein, pas de place au hasard. Et ce qui est intéressant, c'est les zones de niveau 7 sur ce côté-là. Elles sont pas encore ouvertes, mais ils n'ont pas blindé de forteresse hein, ni au nord ni au sud. Aucun des deux camps. Il faut dire, ils ont encore. Une bonne semaine devant eux pour le faire. Au sud, pareil, leurs adversaires ont blindé le territoire sur les portes de niveau 7. C'est pareil, pas de forteresse. On lave, pareil, blindé de territoire. Là, vous allez me dire, ouais, c'est pas blindé. Mais bah, regardez, ils sont en train de finir de construire justement pour éviter d'avoir des trous. Et le dernier côté, hein, sur le Sakaka, la zone Sakaka, eux, ils ont laissé pas mal d'espace en revanche. Hein, assez, on pourrait dire ça, assez incompréhensible. Mais regardez, si on va en Lucerne, on voit que ils sont même pas sortis. Donc, ils sont peut-être dans un délire de se faire rouler dessus. Je ne sais pas. En tout cas, le 10 93 hein, domine pour le moment deux territoires. Lucerne au, au nord et au sud, ou plutôt à l'ouest. Hein. Benguela, Tahiti, pardon, Benguela, c'est leur zone de départ. Ils sont sur Tahiti et ça va faire très mal à l'ouverture des portes de niveau 7. À mon avis, le 10 93 va une nouvelle fois rouler sur tout le monde. On suivra ce qu'il y avait. On finit, comme je vous l'ai dit, avec mes amis, les farmers, hein, les boss. Franchement, ils sont dans le top 10 de puissance, mais c'est incompréhensible. Ils sont sur un KvK où ils sont en allié avec le 2795, pourtant un royaume aussi puissant en termes de matchmaking aurait dû être tout seul, mais qu'est-ce qui se passe au bout de 21 jours sur ce KvK Ils sont évidemment le 1001 en haut à gauche. 10 le premier serveur du jeu, un hein, premier serveur lancé sur Rock. je crois que c'était, corrigez-moi là aussi, je crois que c'était en août 2018, août 2018, si je dis pas de bêtises, le lancement officiel, c'est pour ça que l'anniversaire arrive en août-septembre, il y a peut-être eu une préinscription, on pouvait commencer plus tôt. Si on regarde au niveau de l'alliance qui dirige la forteresse croisée, les Win également, la coalition, on est sur du 7 milliards, 10 milliards. 8 milliards, 3 alliances hein, plutôt solides sans être exceptionnelles. Hein, C'est des alliances où on a ces puissances-là. Très tôt, normalement, qu'avec A3, on retrouve des alliances avec ce genre de puissance. Hein, et on le voit, donc, ils sont sortis au sud. Hein, ils sont sortis, mais ils n'ont pas été bien loin. Ils sont faits masterclassés par, en Cynthia par leurs adversaires. Vous le voyez, hein, c'est plié cette histoire. Au niveau du nord, ils sont sortis en San Pedro. Et là, ils sont avec des alliés. Donc, forcément, c'est plus tranquille quand on est entre alliés. Il hein, n'y a pas de fight. Hein, donc, ils sont probablement le nord contre le sud. Hein, au sud, en Sakaka, ils sont sortis. Et là, ça doit se friter, j'imagine. Est-ce que c'est en feu Est-ce que c'est en feu Non, pourquoi ce n'est pas en feu Ils seront alliés ou il y a peut-être un petit accord. Tiens, c'est étonnant là. Si vous êtes sur ce KvK, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est parce que. Là, la disposition est étonnante. Regardez, au nord, les jaunes ont tout pris. Ils enferment les adversaires. Ah oui, mais non, d'accord. Les bleus ne sortent pas de là. Les bleus, c'est notre alliance. Ok, donc on est bien sur un schéma nord contre sud. Il semble quand La Havane, eh bien, le camp a eh masterclassé sa zone Cynthia. Ou sinon, ils ne sont pas sortis. On peut voir avec cette zone-là qu'ils sont sortis tout de même, hein, donc ils se sont fait repousser. Ça va être intéressant de voir, mais quand même, on a l'air de, de pouvoir entrevoir que le 10-01 gagnerait. S'ils se réveillent, parce que là, ils n'aident pas leurs alliés. Normalement, le plus puissant, il est dans le camp euh, Afingar. Normalement, je dis bien, parce que vous le savez, avec la mise à jour, on va pouvoir choisir son camp. On ne sait pas le cas pour ce KVK. Le deuxième plus puissant hein, en nord, Bulinka. Ça doit se prononcer comme ça. Hein. Après, le troisième étant Zarat. Et le moins puissant étant Lavan. Le moins puissant matchmaking. Donc, le moins puissant Lavan domine le plus puissant euh, en zone Afingar. C'est vraiment étonnant. Mais je parie quand même hein, sur, encore une fois, la future victoire du 10-01 et de leurs alliés. Pourquoi Parce que le troisième domine le deuxième également. Ça devrait équilibrer, mais surprenant les stats. À l'image du 10-01. On finit sur le nouveau KvK, les amis. Si vous allez dans la liste des royaumes perdus, vous avez l'apparition. Alors regardez déjà, ça devient n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 systèmes de KVK différents et encore et encore il y a les pionniers là dedans hein. donc on a deux pionniers donc on se retrouve avec 12 systèmes de KVK différents ça devient clairement n'importe quoi il faut que quelqu'un en interne dise au boss de Lilith ou au développeur. les mecs vous n'avez pas suffisamment de joueurs actifs pour avoir autant de systèmes de KVK différents ça devient N'importe quoi, vos bases de joueurs actifs commencent vraiment à être très faibles. Vous ne pouvez pas avoir autant de joueurs sur si peu de KvK. C'est plutôt l'inverse. Vous ne pouvez pas avoir si peu de joueurs sur autant de KvK. Dans ce sens-là, ça marche beaucoup mieux. Avant de finir, les amis, je voulais juste vous montrer ce KvK, le C12435, où on retrouve le 1185 avec les 185P, hein, qui sont plutôt des gros fighters. Le 10... 100, le 1003 qui redevient un Impérium tout comme le 1001 et il ne l'était plus. Le 1002 je crois on est redevenu un. Et le 3308 un hein, qui KVK intéressant à 7 jours, 16 heures. On va évidemment le suivre celui-là. Il y a pas mal de royaumes qui peuvent faire du lourd. Le 3308 notamment c'est un royaume prometteur, intéressant vous le voyez. Hein. Il est en zone 1 classé en 3 avec les 08 LK évidemment. Voilà bon, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock